Au menu cette semaine, l'incroyable histoire de la construction de la grande digue de Cherbourg qui boucle la rade artificielle. Et puis le destin d'un étudiant en architecture qui a découvert l'art de la céramique et en a fait son métier. Cette semaine, j'ai pris ma voiture et je suis monté jusque dans la région de Cherbourg pour voir des dauphins. Ça devrait se passer à Port-Diélette, un petit peu plus au sud. La météo est pas géniale, je vérifie depuis 2 ou 3 jours, mais j'espère qu'on va quand même pouvoir en apercevoir. Bonjour François. Bonjour. Ça va bien ? Oui, ça va très bien. Alors, je suis très impatient de voir des dauphins, je ne te le cache pas. Et je voulais savoir si, avec la météo qu'on a aujourd'hui, c'est possible qu'on en voit. Ouais, c'est vraiment possible. Ici, on peut en trouver presque tout le temps assez facilement. Parce qu'il y a déjà, il y a beaucoup d'animaux et en plus de ça, ils sont vraiment très côtiers. Donc, ils restent vraiment très, très proches de la côte. Et là, avec la brise, c'est tout à fait possible d'en voir passer justement juste devant le port. On n'en voit pas là avec les jumelles déjà ? Alors, si, on peut toujours regarder. Vous pouvez vraiment essayer de repérer justement là des petites vagues ou des petits changements, des petits reflets sur l'eau. Là, on voit, il y a quelques bateaux. Bon, tu peux regarder si tu veux. Là, moi, j'ai rien vu, mais voilà, après, c'est. Il faut être patient, quoi. C'est vraiment un travail de patience. Ouais, non, moi je vois rien là. Pas de dauphin. Il y a toujours quelque chose qui m'a fasciné chez eux, c'est cette communication qu'ils ont entre eux, ce langage qui a l'air très pointu, très profond en fait. Ils disent plein de choses. Ouais, ils parlent surtout tout le temps. En fait. Le dauphin est bavard. Le dauphin est bavard. Et si en fait, ce qu'il faut que tu t'imagines, c'est qu'ils vivent dans une eau, c'est sombre, c'est froid, il y a très peu de visibilité. Et c'est un peu le seul moyen qu'ils ont trouvé pour pouvoir rester en cohésion dans le groupe, pour pouvoir se transmettre des informations, se repérer aussi les uns les autres. Donc il y a vraiment, sous l'eau, c'est un bruit en continu. François est en charge du suivi des grands dauphins en mer de la Manche. Il les observe, les protège. Et moi, là, je trépigne. Ah, je vois pas, là. Ah, j'espère qu'on va en voir. Pas évident hein, pour les voir. Ouais, non, dès que la mer est un peu formée comme ça, toutes les vagues, les écumes et autres, c'est beaucoup plus difficile pour repérer les ailerons. Ouais. Après, ça arrive quand même, on peut les voir s'ils sont pas très loin du bateau, en nageant, s'il y a tout un groupe, ça fait quand même des grosses éclaboussures, ils ont la peau vraiment noire. Donc ça, on les détecte quand même facilement. Bon, j'ai l'impression que pour aujourd'hui, ça va être difficile d'en voir. Hein. Ah bon? Ouais, la mer est quand même vraiment, voilà, le vent s'est bien levé, c'est assez agité. Ça va, pas trop déçu? Bah si, un peu quand même. Ouais. Si, un peu quand même, moi j'espérais bien en voir, mais après, tu m'as bien vendu le truc, et tu m'as dit que même quand on n'en voyait pas, c'était aussi une info, et puis bon, on sait qu'ils sont là quelque part, et qu'ils vivent, même si écologiquement, le milieu est pas très favorable pour eux, quoi. Il y a quand même une menace qui est assez forte, assez sournoise sur cette population, ce qui est lié à la pollution chimique. Et par exemple, en PCB, en mercure, c'est une des populations les plus polluées au monde. Ah oui, carrément. Ouais, vraiment, c'est assez préoccupant, parce que ça veut dire que du coup, ces produits chimiques en fait, vont en avoir un effet sur eux, sur leur, ça va rendre plus difficile la reproduction, le système immunitaire. Ça fragilise en fait, les individus de cette population. Bon, on n'a pas réussi à avoir des dauphins, mais je t'ai apporté quelques sons qu'on a pu enregistrer avec des hydrophones ici. Ah, génial! Pour que tu te rendes compte un peu de ce qu'il y a, sous l'eau et tous les différents bruits qu'ils peuvent faire, donc les sifflements, les cliquements. Mmh.
Bon, on n'a pas pu voir les dauphins aujourd'hui. Du coup, là, ce que je te propose, c'est de te montrer quelques images qu'on a pu filmer ici. Donc, c'est normalement du coup, ce qu'on est censé voir quand on rencontre un groupe. Ah ouais, génial. Donc voilà, donc c'est ce qu'on trouve habituellement. Hein. Ouais, c'est vraiment. Alors nous, c'est ce qu'on cherche justement. On essaye de s'approcher des animaux, rester bien perpendiculaire comme ça à eux, pour pouvoir les prendre en photo. Et nous, ce qui nous intéresse, si tu regardes un peu les ailerons, en fait, chaque individu a un aileron unique qu'on arrive à identifier et qu'on arrive comme ça à suivre avec le temps. Puis, tu regardes, certains aussi, on voit sur certains, il y a des griffures, il y a des encoches carrément. Et ça, c'est des marques qui se font entre eux. En fait, dans les interactions sociales, ils vont jusqu'à se mordre. Mais c'est pas si gentil que ça, les dauphins, alors. Moi, je compare ça à un prédateur supérieur, comme peut être le loup, le tigre, le lion dans la savane, par exemple. Les mâles, ils ont envie à tout prix de transmettre leurs gènes, donc ils vont aussi se bagarrer pour pouvoir se reproduire plus facilement. Les femelles ont besoin de protéger leurs petits aussi, des agressions des uns et des autres. Donc non, c'est plutôt des relations très, très toniques. Eh bien, vraiment, c'est un beau spectacle, tu vois. On les a pas vus en mer, mais au moins on a vu ça, et c'est toujours magique, hein. C'est toujours magique. Merci beaucoup, François, de m'avoir fait partager ta passion pour les dauphins. Vraiment. Et de rien, c'est un plaisir. Ouais, j'ai bien compris que c'était un plaisir. Merci. C'est vraiment magique, hein, comme animal, le dauphin. Alors ici, à Port-Viellette, on est à quelques kilomètres à peine de Cherbourg. Et l'image de la ville, c'est vraiment la grande digue du large, qui a été construite au 17e. Et qui ceinture l'une des plus grandes rades artificielles du monde. Mais sa construction, c'est le moins qu'on puisse dire, a vraiment été incroyable, voire même rocambolesque. C'est une aventure peu ordinaire, hein, la rade de Cherbourg. C'est une aventure déraisonnable. C'est, comme dirait l'autre, le triomphe de la volonté. D'habitude, c'est la nature qui offre un port, qui impose un port. Là, pas du tout. La nature n'offre rien, elle n'impose encore moins quelque chose. C'est l'homme qui va imposer un port à la nature. Donc c'est une aventure tout à fait extravagante. Une épopée extraordinaire. Aujourd'hui, la grande digue du large protège la ville de Cherbourg des pires tempêtes. Elle constitue l'une des plus grandes rades artificielles du monde. Seuls, des milliers de goélands peuplent et veillent sur ces vieilles pierres endormies. Il fallut près d'un siècle pour construire la digue et ses forts en pleine mer. À l'origine, il s'agissait uniquement de se défendre face au vieil ennemi anglais. Cette histoire commence à la fin du XVIIIe siècle. La marine française subit régulièrement les attaques de la perfide Albion, car elle ne possède pas d'abri pour ses vaisseaux. Idéalement placée face à l'Angleterre, Cherbourg n'est alors qu'une petite bourgade d'à peine 4000 habitants à la pointe du Cotentin. Louis XVI et ses ministres décident de créer en 1777 un port militaire donc dans cette grande rade naturelle de Cherbourg. Et donc pour ce faire, de créer une grande digue au large. Alors une fois qu'on a décidé qu'il fallait construire cette grande digue, on s'interroge sur les moyens pour réaliser ces travaux, qui sont des travaux absolument gigantesques. Rien de tel n'a jamais été construit nulle part. On n'a jamais envisagé de construire une digue sur une aussi longue distance, puisqu'il y a quand même plus de 3 km de digue à réaliser, par 14 ou 15 mètres de fond, ce qui fait une masse ou un volume extrêmement considérable à construire dans des conditions qui sont évidemment difficiles. Plusieurs techniques sont envisagées. Celle de l'ingénieur de Cessart est démesurée. Il s'agit de construire 90 cônes en bois de 20 mètres de haut, de les couler côte à côte en pleine mer
puis de les remplir de pierre. L'alignement des cônes formant ainsi une digue. Extravagant, mais innovant, Louis XVI et la marine retiennent ce projet. La construction des cônes monopolise une main-d'œuvre considérable. Près de 1500 hommes venus de toute la France travaillent quotidiennement sur le chantier. À chantier exceptionnel, visite exceptionnelle. Louis XVI vient en personne à Cherbourg. C'est d'ailleurs la seule sortie en province de son règne, excepté sa fuite à Varennes. Louis XVI décide de faire le voyage pour constater par lui-même l'état d'avancement du chantier, chantier qui est le grand chantier du règne, puisque ça mobilise des moyens tout à fait considérables, et donc c'est vraiment quelque chose qui lui tient particulièrement à cœur. Ce monstre en bois de 1300 tonnes met près de 8 heures à être remorqué à la rame puis immergé. Ensuite, il faut encore 40 jours de mer calme et une centaine d'hommes pour le remplir de pierres. On a coulé une vingtaine de cônes avant de renoncer à cette expérience. Alors on y renonce parce que le bois est une matière première qui est beaucoup trop faible, donc ne résiste pas aux très fortes tempêtes. Et donc très rapidement, on en vient à la conclusion que cette expérience n'est pas au point, qu'il vaut mieux y renoncer. La révolution de 1789 met un terme provisoire aux travaux. Mais avec Napoléon, les rêves de conquête reviennent. Il décide de reprendre la construction de la digue, de l'aménagement d'un port militaire et d'un arsenal. La technique qui est maintenant utilisée est celle dite des pierres perdues. Sur la base des restes des cônes, on coule des pierres jusqu'au niveau des hautes mers. Après la chute du Premier Empire, la construction se poursuit au gré des différents régimes politiques. Et cette aventure voit sa conclusion sous le règne de Napoléon III. En 1858, l'empereur vient à Cherbourg inaugurer la fin des grands travaux de la digue, près d'un siècle après son commencement. En quoi cette aventure est un peu folle du début jusqu'à la fin? Quand enfin le port est opérationnel, quand enfin on a ce port militaire contre l'Angleterre, ben, il n'y a plus de guerre contre l'Angleterre. C'est fini, c'est l'entente cordiale. Et la reine Victoria, si je ne m'abuse, assistera même à l'inauguration. À quelques détails près, la digue et la rade de Cherbourg n'ont pas changé depuis le milieu du XIXe siècle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les forts sont occupés par les Allemands et Cherbourg devient un maillon essentiel du mur de l'Atlantique. À la Libération, les lieux sont définitivement abandonnés. Aujourd'hui,
Les bâtiments délaissés restent une zone militaire. L'entretien de l'ouvrage, soumis aux assauts de la mer, est à la charge de la marine. En fait, on estime que les enrochements qui sont mis en place sur le talus extérieur de la digue ont une durée de vie de l'ordre d'une cinquantaine d'années. Donc, évidemment, on ne procède pas en une seule campagne tous les 50 ans. On procède en des campagnes régulières pour remplacer les blocs d'enrochement qui ont disparu sur des portions bien limitées de la digue. À titre d'exemple, la campagne d'aujourd'hui consiste à remplacer 9000 tonnes de blocs d'enrochement sur une longueur d'une centaine de mètres, alors que la digue fait 3700 mètres. C'est un combat sans fin, puisque, comme vous l'aurez compris, il faut recharger en enrochement très régulièrement le talus extérieur. Il faut s'occuper des brèches qui surviennent sur le corps de digue à la suite des conditions météorologiques extrêmes. Lors de grandes tempêtes, en 1996 et 1999, il y a eu des brèches traversantes, c'est-à-dire qu'une portion de la digue avait totalement disparu. Toutes ces réparations indispensables pour préserver la ville des tempêtes coûtent une fortune. La marine voudrait bien se débarrasser de ce monstre de pierre, mais aucune collectivité n'est prête à reprendre le flambeau. Cet ouvrage hors du commun, qui en son temps fit l'admiration de tous, semble désormais oublié, comme rayé de l'histoire. En débarquant pour la première fois ici, on est enfin plus qu'impressionné, on est très profondément remué. C'est phénoménal, c'est fort en pleine rade, bon. Et on se dit, c'est dommage de ne rien en faire. En faire quoi, je ne sais pas, mais... je crois qu'on a tous le sentiment qu'on devrait, on pourrait et on devrait en faire quelque chose. Qu'il y a là un théâtre, à tous les sens du terme, sur lequel on pourrait jouer des choses tout à fait impressionnantes. Ça se fera un jour, j'en suis convaincu. Ça se fera un jour. Ce sont effectivement des éléments du patrimoine, ces forts et ces digues de Cherbourg. Et Gilles Perrault, avec son intelligence habituelle, pose bien la question. Il faut les préserver, certes, mais pour en faire quoi? Nous allons maintenant découvrir la belle histoire de Cyril, ancien étudiant en architecture à Londres et qui a découvert l'art de la céramique un peu par hasard. Il a pourtant choisi d'en faire son métier dans la presqu'île de Quiberon. Dans l'anse du Pot, à l'entrée de la presqu'île de Quiberon, à une heure matinale, un homme ramasse de la vase à la pelle. Forcément, elle doit être très particulière. Alors ça, c'est la vase du fond de la baie. Voilà, on voit qu'il y a plein de choses dedans, c'est des matières en décomposition et très très peu de sable. Voilà, si je prends un petit peu, on voit que ça a une petite consistance, c'est modelable un petit peu. Pour la poterie, on peut utiliser vraiment tout et n'importe quoi. Il suffit que ça soit minéral ou que ça puisse être réduit à l'état de minéral, c'est-à-dire à peu près tout finalement, pour qu'on puisse l'utiliser en poterie, que ça soit un des constituants d'une manière ou d'une autre, dans l'émail, dans la terre, simplement dans la cuisson, on va dire, de manière générale, quoi. Arrivé à l'atelier, ça va chauffer pour la jolie vase. Plus de 1000 degrés dans un four fait maison. Après cuisson, ce sera un matériau pour fabriquer des aimants. Tout est possible en céramique. Le choix des sables
fait aussi la différence. Il y a un sable qui est vraiment magnifique. C'est un sable qui vient de Plumeur. Donc c'est à moins d'une heure d'ici. Voilà, c'est un sable très blanc. Parce qu'en fait, c'est du quartz avec des mica. Donc ça, est vraiment très très beau. Et je vais intégrer ça dans la terre. Voilà, on fait un millefeuille. On n'invente pas grand-chose, en fait, en réalité. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir presser tout ça. C'est-à-dire que d'une terre qui sort d'un magasin, je lui rapporte, entre guillemets, des caractères endémiques. Et ça, je le prépare un an à l'avance, ce qui fait que ça a le temps de travailler. Toutes ces bactéries qui accompagnent les sables, et parfois aussi des terres aussi. Je mixe aussi parfois, à certains moments, des terres avec des terres locales. Voilà. La terre est très forte comme matière. Le jour où je l'ai rencontrée, ça a été un petit peu comme une drogue pour moi, quelque part, quoi. J'avais besoin de ma session de tournage. Et puis après, quand j'ai commencé à créer des émaux, à faire cette chimie des éléments, bah là, du coup, j'ai commencé à entrer dans un autre domaine, celle de la compréhension de la géologie. De trouver comment les matériaux qui existent depuis des millénaires vont pouvoir donner un résultat qui, encore une fois, n'a jamais été vu, particulier à chaque fois, qui va donner des cristaux, de la matière, des contrastes, voilà. Voilà, donc toute la matière a été calcinée. On voit qu'on est passé de quelque chose qui était très foncé avant, une matière qui était très friable et qu'on va pouvoir maintenant réduire en poudre. Voilà. La vase qu'on a été récupérée ce matin, c'est elle qui va donner ces rouges briques un petit peu, parce que c'est le fer qui travaille là-dedans. Et alors là, du coup, c'est là où finalement, le potier, de manière très humble, il dit « moi, j'arrête de travailler quand j'ai mis mes pièces dans le four », c'est le feu qui fait tout. Et ça, c'est les matières qui s'organisent d'elles-mêmes et qui vont venir créer toutes ces petites paillettes de matériaux brillantes, là. Voilà. Quelques mois plus tard, nous avons retrouvé Cyril dans son paysage préféré, l'Anse du Pô. En cette fin d'après-midi, il ne récolte pas de la vase pour sa céramique. Il s'adonne à sa deuxième passion, les plantes comestibles du bord de mer. Vraiment, il faut se dire ici qu'on est dans un biotope qui a servi aux hommes à se nourrir pendant des milliers d'années. Il y a vraiment 80% des plantes qui sont ici, qui sont comestibles. Que bon, ça, voilà, c'est des plantes qu'on retrouve un peu partout. Ça, c'est la fameuse salicorne. Alors, j'ai des fleurs de silène. Ça a été appelé le compagnon blanc aussi. On a le même en rouge et ici, ils sont tous blancs. Un goût très vert, très doux. Ça, c'est des feuilles de masseron, vraiment une plante typique du bord de mer qui a été utilisée comme poivre pendant la guerre. Et puis, ces feuilles, elles ont vraiment un goût très aromatique. À un vol de mouette de là, Portivy, sur la côte sauvage de la presqu'île de Quiberon. Les rochers couverts d'algues sont l'autre terrain d'expérimentation de notre promeneur épicurien. Ici, on trouve les légumes de la mer. Donc, c'est ces algues, en fait, qui sont les premiers végétaux qui sont apparus sur Terre avant que les végétaux grimpent hors de l'eau. Mais alors, finalement, quasiment toutes les algues sont comestibles. Il faut se renseigner, bien sûr, avant. Ce qui va être déterminant comme critère, c'est plutôt les critères de texture, de goût, c'est savoir si c'est coriace en bouche ou pas, si on va pouvoir les cuire ou les manger crus comme ça. Au printemps, il y en a pas mal qui sont assez intéressantes comme ça, crues, quoi. L'étude de l'Atlantique, fleurs de sentier de douanier et plantes aromatiques sauvages, le tout sur des émaux de l'Anse du Pô. Une composition signée Cyril Denry, architecte, céramiste, botaniste,
explorateur du bord de mer, à sa manière, inattendu et inspiré. On pourrait ajouter gastronome de la flore du bord de mer. En tout cas, il a beaucoup de facettes, ce Cyril. Voilà, Littoral, c'est terminé pour aujourd'hui. Et on se retrouve bien sûr sur Internet et sur les réseaux sociaux. Salut à tous!